Vous avez vu? Allez. Bon, bah, salut tout le monde. Yannick, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On met à la tuile, on fait une petite balade. Et on va où? Au col de... Comment on appelle ça? Col de Marocca. Voilà, col de Marocca, en footing, rando course. Voilà, petit 320 dénive, 8 km je crois. Mmh. Et puis après on finit dans le lavoir là. Dans le lavoir. Là, des lacs glaces. C'est pas mal ça. Non, on va peut-être aller dans le lac parce que ça... Partie des belles donnes, un petit peu de contre-jour là qui nous enquiquine là. Par contre, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça sent la baignade. Ah, ça sent la baignade là. On est obligé d'aller. Regardez, c'est autre chose là. La glace, elle est tout petite ici. Vous avez vu? Allez. Voilà. Alors Yannick, on fait un premier passage déjà. Sans le thé. On garde le thé en deuxième immersion. Première immersion, directement dans l'eau. On reste pas trop longtemps quand même, hein, fais gaffe. Hein. Non. Parce que toi, t'aimes bien. Alors, je vais le mettre de l'autre côté, parce que le contre-jour était dégueulasse. Ça pique plus que la dernière fois? Regarde, t'as un caillou là, si tu veux t'asseoir. J'arrive pas à avancer, Younes. C'est dur? Par rapport à la glace ou avancer par rapport au froid? Les deux. Mais j'ai moins froid au pied. Voilà, la glace, ça a isolé l'eau un peu, ça l'a maintenu au chaud, c'est ça? T-shirt, c'est pas pour en gros, c'est pas pour freiner le froid. Hein. J'ai pas envie de vous montrer les abdominaux. Allez, Younes, on casse la glace aujourd'hui. Oh. Ça va, ça se passe? Ça va encore. Hmm. Ah putain, la glace, elle est déjà là. C'est des beaux blocs, hein? Ouais. Les mains, les jambes, ça va encore, mais les... Ah. Je vais utiliser la chaise que j'ai ici. T'es content? Ouais. Il y a de quoi? Ouh, le passage! Ah. Ça va mieux que l'autre fois quand même. Hein. Mais c'est froid, hein. Mais. Je pense que la dernière fois, on n'était pas habitué. Ouais. Allez, je passe poitrine. Allez, mets les épaules, Younes. Ouais, c'est bien, c'est pas mal déjà. Oh, pour une deuxième,
rester trop haut. Déjà là, ça picote. Bon Yannick, toi t'es un bonhomme hein, quand même. T'es resté quand même longtemps. Hein. Moi je peux pas. Mais c'est pas mal déjà. Bon, cette fois on l'a refait avec un petit thé au milieu de l'eau. Il est bon, hein. Ça y est bien. Santé. Allez, on y go. On y go. Allez, tiens. Oh, il y a de la glace ici. Ah, t'es glacé? Là, juste rapide, on a déjà fait une première, là on fait une deuxième avec le thé à la main. Psychologiquement, ça ça retarde pas trop le froid, mais bon. Ça pique quand même un peu. Après une rando course, ça fait du bien. Ouais, après une cryothérapie. Exactement. Bonne journée. Bonne journée. Hein. Bonne journée. Je suis en route quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le rebeu. Il y a des chromosomes de chameau, ils résistent mieux au froid que lui, il descend l'ours blanc direct. Bon allez, on y va. Bon ben voilà, terminé. Là, il fait un peu plus froid que la dernière fois. Ça pique un peu, j'ai du mal de réchauffer un peu les mains, mais c'est pas grave, au moins on vous a fait une petite démonstration avec un petit montage, on a voulu être un peu drôle aussi sur un peu cette immersion là, et ben j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont un peu le pratiquer. Allez-y doucement quand même si vous le faites, parce que c'est pas voilà, c'est pas facile, et puis prenez quelques précautions, et voilà. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et ben, likez, partagez, et essayez d'aller regarder les autres contenus qui sont intéressants aussi pour ceux qui sont un peu dans le domaine du running et du sport en général.